Voici maintenant un livre qui raconte un épisode méconnu de la résistance en Dordogne. Notre confrère limousin, Christian Bellingard, raconte l'histoire d'un réfugié espagnol devenu chef d'un réseau de résistance à Sarlande. Quelques acacias qui fleurissaient blanc. José Gonzalvo Husson, ici en 2007. Quand il parle de son Espagne natale, il repense aux acacias de son enfance. Un sacré personnage, ce Gonzalvo. À 15 ans, il combat les franquistes. Réfugié en France, il rejoint le maquis à Sarlande. Il est venu dans la région en tant que bûcheron et quelques mois plus tard, il se retrouve chef d'un détachement. Un des premiers maquis de Dordogne a été créé ici par lui. Son rôle dans le nord d'Ordogne est méconnu. Il reste peu de témoins. Maurice, 12 ans à l'époque, se souvient des miliciens dans l'école cherchant à se renseigner sur son père qui avait accueilli le réfugié espagnol. Ils sont venus vers moi pour faire dire que mon père était dans la résistance, etc. D'autant qu'il habitait à 5 km d'ici, dans une ferme, donc l'Aménie, d'où le maquis est parti. Et moi, j'ai donc reçu deux bonnes claques aussi. Parmi les faits d'armes de Gonzalvo, celui du barrage de Tuilières, bien loin de son maquis. Un groupe de maquisards, emmené par Gonzalvo, sont partis d'ici en camion, avec des camions qui tombaient en panne en cours de trajet, pour mener une opération éclair. Ils sont arrivés le soir à Tuilières, ils ont posé les explosifs, ils ont dynamité le barrage et ils sont rentrés le lendemain. Le parcours de cet homme fait aujourd'hui l'objet d'un livre. À cette occasion, séance de dédicace à la mairie de Sarlande. On a découvert à travers ce livre que notre papa a été un héros et nous, nous ignorions complètement son degré d'implication, son grade et tout ce qu'il a pu faire et vivre aussi. Il est exemplaire des républicains espagnols qui sont venus combattre en France dans la résistance. Et à ce titre, je crois que ça méritait d'être connu. Et il a eu une vie extrêmement difficile et extrêmement combative. C'est un exemple. Après la guerre, l'Espagnol reste vivre en France discrètement. Les acacias blancs de Chelsea vont enfin rendre ses lettres de noblesse à Petit Pierre, nom de résistant du capitaine Gonzalvo.